Alors, un article sur le et le propre roadrunner, la cellule batterie révolutionnaire de Tesla fuite sur la toile. Donc, le batterie DC demain, je rappelle. Et là, on a effectivement la première cellule de la fameuse batterie révolutionnaire de Tesla qui vient de, de fuiter. Et fait, effectivement, elle est volumineuse, hein, beaucoup plus que la précédente. Le batterie DC s'approche et Elon Musk devrait faire de nombreuses annonces au milieu de celle-ci. Se trouverait donc la présentation d'une nouvelle cellule déjà découverte par Electric. Si Tesla ne cesse d'améliorer ses voitures à distance, la firme californienne ira encore plus loin. Elle profitera ainsi de son prochain événement intitulé Batterie D. Comme son nom l'indique, le rendez-vous devrait être le moment pour Elon Musk d'annoncer le futur de la marque et de ses dernières avancées en matière de batterie. Si l'origine de la photo lancée sur la toile est encore floue, nos confrères d'Electrek indiquent que la pile présentée serait bien la nouvelle cellule fabriquée par Tesla et utilisée dans les prochaines voitures électriques. Donc le tweet de Fred Lambert, hein, qui, ré qui rédige des articles sur Electrek, du coup, très bien informé. Cette cellule se montre deux fois plus grosse que l'unité 2170 utilisée dans les modèles 3 et modèle Y, ce qui signifie que la nouvelle pile offrira quatre fois plus de volume que celle fabriquée par Panasonic dans la Gigafactory du Nevada. La capacité de cette cellule ou les applications ne sont pas encore connues. Elle se montrerait toutefois bien plus efficace avec une plus grande densité et permettrait de réduire les coûts et le nombre de packs pour fermer la batterie. Rappelons que la prochaine cellule sera produite par Tesla dans son usine de Cator Road près de l'usine de Fremont, selon la méthode de production interne à Wordroner. Bon voilà, elle est vraiment épaisse en hein, cette cellule. On a hâte de voir les statistiques et les caractéristiques demain de, lors du batterie. Day. Ça va être intéressant à suivre. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous Ciao